Telles les saisons, la guerre revient toujours. Tous les 274 ans et demi, le mal se relève pour détruire tout ce qui vit. Orcs et humains mettent alors leurs différends de côté pour protéger leur monde. Chaque fois, le mal fut défait. Chaque fois, la vie put reprendre son cours normal. Mais une erreur de calendrier a tout changé. Le mal surgit 2 années trop tôt, prenant les vivants au dépourvu. Quelle bande de nuls. Nous n'étions pas prêts. Les écoles de magie furent les premières à tomber, plongeant le monde dans le chaos. Vos études finies de manière prématurée, vous êtes l'un des derniers gardiens d'un savoir incommensurable. Il vous revient de le préserver, mais surtout de le transmettre. Eh bah déjà, chapeau pour l'intro en français. Parce qu'il n'y en a pas des masses, des petits jeux indépendants avec déjà du doublage en français et en plus l'intro complète. Alors, bienvenue dans Spellcaster University, un jeu où on va construire et gérer une école de magie. Le jeu est réglé au maximum. Comme ça, on est bien. C'est parti. Alors, niveau de difficulté. Et on va faire novice, hein, on verra. Mode normal. Ok. Démarrons gentil. Nom de votre université. Le Chapelier Loup. C'est Bibi. Est-ce qu'on a un loup? On n'a pas de loup. Allez, on va mettre une patoune. Allez, derrière, on va mettre ça. Voilà, classique. C'est pas le temps pour créer son personnage, c'est le temps pour créer son blason, quoi. Voilà, c'est pas trop mal, non? En noir. Non, je vois pas. Allez, en blanc. Hop. Ok, ça ira bien. Alors, on a 3 endroits qui clignotent. Le village, les nouveaux étudiants sont en moyenne plus riches. Terrain constructible limité ou vaste terrain constructible. Bon, on va le démarrer au village. Hein. On choisit l'endroit où on s'installe visiblement. Donc c'est un jeu qui me semble-t-il est peut-être encore en early access, faut que je vérifie. Qui est dans le Humble Monthly de ce mois-ci. Au moment où je fais le direct, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, c'est pas sûr. Bonjour, je suis l'archimage Postumus, ancien directeur qui, pour des raisons évidentes, a dû prendre sa retraite lors de la dernière attaque du Seigneur du Mal, mais je vais vous aider à prendre la relève. Ce bref tuto va vous montrer les fonctions de base, blabla, blabla. Alors, en bas se trouve votre main de cartes. Ces cartes vont vous permettre de construire et customiser votre école, équiper vos étudiants, créer une nouvelle maison, etc. Pour jouer une carte, cliquez et la laisser glisser. Nouvelle maison, nouvelle maison. Il suffit de la sélectionner et de la glisser sur l'aire de jeu. C'est cela. Quelque chose que je comprends pas, là, déjà, niveau fonctionnement. Il faut fermer ça, peut-être. Lors du placement d'une carte, les bâtiments différents... Les différents accès de cette salle s'affichent. Droite, gauche ou escalier. Toutes les salles n'ont pas les mêmes dimensions, machin. Clic droit, ok. Objet d'amélioration se place sur les emplacements correspondants dans les salles. Logo en bas à gauche de la carte sur la verse et dans l'école, il y a un emplacement libre. Sur rouge dans le cas contraire. Ok. Pour avoir de nouvelles cartes, vous pouvez utiliser 6 pioches différentes. En piochant, vous choisissez une carte parmi 3. Plus on pioche dans le même tas, plus les cartes deviennent chères.
La pioche de base, des cartes utilitaires, réfectoire, dortoir, salle de cours de base. Les cartes de cette pioche s'achèvent avec de l'or. S'achètent avec de l'or. Que l'on gagne à l'inscription des élèves. Au réfectoire. Et on perd avec le prix d'entretien des salles, le salaire des profs. 5 écoles de magie, nature, lumière, ombre, arcane, alchimie. Chaque pioche est différente, ok. Changer la vitesse du jeu. Des événements. Le cochon d'Inde messager indique que vous pouvez envoyer un message aux factions voisines. Le cochon d'Inde messager. J'adore, ça n'a aucun sens, donc j'adore. Vous pouvez aussi les contacter en ouvrant le carte locale. Ok. Le bureau du directeur vous donne accès au règlement de l'école que vous pouvez modifier. Il permet aussi de voir la liste des élèves qui ont déjà fini leurs études. Blablabla. Blablabla. Les stats de machin. Le prestige. Combinez trois ingrédients différents dans le menu chaudron pour créer une potion qui vous donne un bonus immédiat quand vous les jouez. Les objectifs. La frise de l'avancée du seigneur du mal montre le temps qu'il reste avant son arrivée. Une fois à son terme, une armée de morts-vivants arrivera pour détruire l'école de magie. Il ne reste alors pas d'autre choix que de fuir et de reconstruire une école autre part. Il est possible de retarder son avancée en communiquant avec le seigneur du mal grâce à certains événements. Alors, une citadelle au milieu des champs. Les terres agricoles près des grandes villes du royaume feront un bon terrain pour notre école. Bon, il y aura peut-être quelques soucis avec les paysans locaux. Les paysans ne font que se plaindre de toute façon. Citadins, les étudiants sont plus aisés que d'habitude. Ils ne font que se plaindre car on ne sait pas s'y prendre avec eux. Nous sommes ici pour enseigner la magie, pas pour s'occuper des grognons. Les paysans ne se plaindront plus quand ils verront les merveilles de la magie. Moi, je vais prendre le premier. Donc, une maison. Formulaire de création de maison. Première spécificité. La couleur de l'uniforme de la maison. Ah, c'est les maisons comme dans Harry Potter. D'accord. On va laisser les trucs par défaut, hein, la flemme. Et donc, il me l'a construite, la maison, c'est ça? Dortoir. Un foyer des élèves. Un réfectoire. Un cochonnier. Ça sert à quoi? Les volatiles et dépassés, le cochon d'Inde avec son profil fusé et le meilleur messager. Ah, d'accord. Ok. Pas mal, c'est original. Salle des profs. Bannière du village. Lancer le recrutement d'étudiants. On va peut-être attendre un chouine. Deck. Les appartements privés. Faire une salle des profs. Là, il y a des événements. Salutations. Attends, on va mettre en pause le jeu, c'est bon. Alors... On est gens du coin, nous on veut pas de problème chez nous et on aime moyen les étrangers. Vous venez faire quoi? On va faire des sorciers pour les aides de soins, pour les animaux de la ferme. Ok, on va essayer de faire nature, tiens. Alors, salutations royales. La thune. Candidature d'étudiant. Ah, il faut lui mettre une famille, d'accord. Travailleur orphelin, allergique aux crustacés. Hop. Maligne et riche. Le dragon. On va faire un peu n'importe quoi, voilà, on verra bien. Une étable, une planche d'herboristerie ou le cochonnier. On va faire une étable. Hop. Choisissez l'un des candidats pour le professeur de magie des bêtes.
Alors on a chaotique mauvais, pédagogie médiocre, syndiqué non, correct et syndiqué oui. Ben celle-là. Et on lance le recrutement d'étudiants, vas-y. Putain, les cochons d'Inde, attendez, faut qu'on regarde les cochons d'Inde quand même là. Il y a des cochons d'Inde licorne quand même. Ça, c'est quand même incroyable. Alors, les guildes des aventuriers, des mages capables de soigner, on manque toujours de bons soigneurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel genre de mage? Exploser des trucs, utiliser des babioles magiques pour soigner nous. Alors, on a le choix entre infirmerie, lit médicalisé ou vraiment pharmacie. Bon, déjà faire une infirmerie, ça peut servir. Infirmerie. On va faire là. Un infirmier. On va faire Boundir. Boundir. Et salle des profs. Hop. Et il peut pas fusionner le newf? Non? Oh, visiblement non. Alors, donc là, avec le. Ah oui, communication, d'accord. Ok. Le ménestrel. Je sens que ça va être pénible, je dis. Voilà, même que dans Witcher. Salle de la nature, c'est pas mal, salle de la nature. Allez, salle de la nature, on la met. On la met là, en plein milieu. Et on va prendre. Ah oh, bah, il y a Moumoun. On va prendre Moumoun. Voilà. Ils arrivent. Alors, regardez mon bel archimage. Vous savez, je pense que les étudiants se retraitent. Candidature d'étudiants. Alors, on a chaotique bon. On va en mettre un peu là. Hop. Donc là, ils se reposent dans le foyer des élèves. Là, ils vont au pays des cochons. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe quand le cochon d'Inde est en haut? Attends. Ça fait le même bruit que les cochons d'Inde. C'est juste génial. Ah, c'est une catapulte à cochon d'Inde, d'accord. Tu vas envoyer un message. J'en peux plus. Ce jeu est ouf. Alors, combat de grognons. De gros chons. Punition collective, wesh. Alors, on a quoi? On en a 8 et 6. Bah toi tu vas aller là, là. On est kiff kiff là. Hop. Le design est tellement rétro, quoi, ça. Les personnages, c'est drôle. Donc, un tout dernier, un petit anti-aliasing, là, pour polish le truc. Et ça serait au top. Ah, il y a la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits chelous. Non, c'est une musique normale. La musique, elle fait croire qu'il y a un problème, quoi, je sais pas. Gardien améliore définitivement un professeur. Ce professeur devient capable de faire des coups critiques en enseignant qui procure un gros bonus de connaissances. Un dolmen. Un tambour. On va faire dolmen, non? Professeur de druidisme. On a Tagalog ou Noir, hein? Tagalog.
Chambre privée, salle de l'ombre. Salle commune. Psychologue, je sais pas si on en a mis des psychologues, je crois pas. Hein. Chambre privée. Alors, classe brillante, retour au travail, je vais m'embêter avec tes histoires, mesure exceptionnelle, piocher la carte bûcher. Candidature d'étudiant. Pistis. Faut peut-être pas tous les mettre dans une fac, une famille. Mais... Ça permet de rendre quelqu'un bon. C'est festif, c'est indéniable, tout en permettant de se débarrasser des éléments perturbateurs. Salle commune. Mais normalement, il y a déjà salle commune, non? C'est pas ça? Foyer des élèves. Entrée, réfectoire, dortoir, infirmerie, la nature, prof, chambre privée, salle des profs, salle des profs. Ah, donc on n'a pas de salle commune du tout, d'accord. Psychologue. Alors, Nadoku ou Trichelin, on va prendre Trichelin. On va faire chevaucheur de dragon. Allez hop. Une école sans discipline. Vous devez exagérer. Non, qu'est-ce qui se passe? Tout qui a disparu, je sais pas. Ils vont faire un léprechaun domestique. Non, c'est quoi le délire? Je sais pas, ils vont pioncer. S'ils vivent la nuit. Alors, une spécialité. La magie des arcanes, la magie de lumière, l'alchimie, la magie de la nature. Nous, on fait la magie de la nature. Étape dolmen, bâton de chaman. Ah, c'est bien ça. C'est marqué où la thune? Parce que je consomme des sous, mais alors où c'est que c'est marqué? Ah, c'est le chiffre qui est en dessous et quand on clique, on a le prix. D'accord, je croyais que c'était le... Je croyais que c'était marqué ailleurs et que ça, c'était le prix. Je comprenais pas parce que ça augmentait bizarre. Alors, alchimie, salle de la nature, dortoir. Bah, salle de la nature, on en a déjà une, il me semble, maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pédagogie, petit dormeur, hypochondriaque, amputé, on va prendre elle. Tombée de charrette. Enfin, les cochons d'âne, ils me font délire quand même. Ouais, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Oui. L'infirmière, elle se fait un peu yèche, l'infirmière, non? Alors, on a le bureau du directeur. Oh, j'avais pas vu ça. Avenir. Donc ça, c'est les anciens étudiants.
Ok, au mur. Ça. Ah, là, on peut régler des trucs. Ok. On peut faire des trucs sexistes en plus. Professeur Bob. Carte locale. Donc là, c'est les autres bleds. Communication disponible. Statistiques, classe et étudiants. Ah, pour chaque faction, on peut faire un truc différent. Bah, on va faire nature en priorité pour eux, et eux, c'est la lumière. Alors, on a service en bois, un peu de prestige, aile de papillon féerique. Alors, une potion de fertilité. Ok, les massages. Les massages. On va faire une classe générale. Hop. Oui, il y en a qui courent. Initié à l'alchimie gourmet, qu'est-ce qui lui arrive? Allergique aux crustacés. Bataille de purée, ok. C'est bien, on a tout leur. Il est assez complet quand même. Une salle de la lumière avec Carpochon. Oula, qu'est-ce qui se bosse? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voyez un portail. Il y a une prof qui est passée puis qui a fermé le truc. Ils foutent le zbeul. Alors, ces voleurs de la guilde des aventuriers passent leur temps à mettre le bazar dans le village et que je tue un troll et que je fais une fête, vous pourriez leur dire de se calmer. Allez, on va leur dire de se calmer. Alors,
présence d'un professeur. Où c'est qu'on va mettre Là, c'est la salle des profs. On peut le mettre là. Mais si je fais, par exemple, Kork, contacter. Oui. Juste leur rappeler qu'on est copains, voilà. Ah, maintenant, les points de lumière. Mais c'est trop cool, le truc d'arriver de Seigneur du Mal, là. Je sais pas s'il y a moyen de l'arrêter quand on démarre une partie. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Une tornade? Ils sont efficaces les profs. Il est temps de payer. Nous avons la somme nécessaire. Grâce à ses conséquences parfaitement dues en magie, Rose Foulk est devenue paysanne. Gain de 5 auprès des paysans. Je sais pas, relancer de l'estin, non c'est pareil, bon bah accepté. Maître de rituel. Tresseur de licorne. C'est bon. On a nos premiers étudiants formés. Alors, on peut faire un cloître des justes, une salle de cours pour améliorer leurs compétences en vindicte, ou la chapelle des héros. On va faire la chapelle des héros, ici, avec Dobby. Dobby est un elfe libre. Ah, ça permet de faire des trucs de potions. Ah merde, double, j'aurais peut-être pas dû la mettre, tant pis. Nouveau loup-garou. Ah. Une serre. Avec Bolet. Alors, en loup-garou, on va en mettre là. Nettoyage express. D'accord, ça a multiplié les potions. Alors, étable serre, bah on a déjà tout, on va augmenter la serre. Tu vois, ça marche comme ça. Du coup, ça c'est pas des fusions de salles, c'est des. On augmente le niveau d'une salle. Phoenix. On va le mettre là. Ah, on a un autre bûcher. C'est bien là.
Les orques. On va payer leur tribut pour le moment. On va faire un dragon. Dragon, on va le mettre. Peut-être varier un peu les salles, on va le mettre là. Alors, une statue héroïque et un sceptre de lumière. Aimerait en mettre le sceptre de lumière. Champ de bataille. Avec mes amis aventuriers, nous avons gagné, mais en revenant, j'ai glissé, je me suis entaillé la jambe. Allez voir l'infirmerie. Allez vous faire soigner. Allez à l'infirmerie. Hop. Duel de chevaucheurs de Pégase. Le tournoi de joute à d'autres Pégase inter-école aura lieu d'ici peu. Votre école ne possède guère d'équipe, n'est-ce pas? Ça m'intéresse pas. Hop. On pose une minute. Chambre privée. Réfectoire. Niveau d'évolution 1, voilà, comme ça. En fait, c'est comme ça que ça marche. Foyer des élèves. Hop. Ouais, ça a amélioré les fauteuils, là. Ils ont des plaids en plus. Les chanceux. Alors, sachez qu'il est très important que les élèves aient un sentiment viscéral d'appartenance à votre école. Ils doivent être prêts à mourir pour l'école, blabla. Pensez école et vivre l'école. Approchons quelques étendards. Ok. On a quoi? Ah, esprit protecteur. Oui, change forme, aventurière, mage de village, maître de rituel. Ils sont mieux quand même, hein, ceux qu'on a maintenant. Alors, des bannières royales, on va en foutre une là, et une dans l'entrée, non? Non, on peut pas, hop, allez hop, ça faisait quoi? Réputation auprès du roi. Un Pégase! Chambre de vérité. On n'a pas ça. Allez, Foulk, ensuite. Le serpent machin à cet étage-là, parce qu'on a plein de salles. On a une martre. Hop. Comment j'ai fait pour avoir 65 de chacun? Chambre de vérité. Ah oui, d'accord, c'est un truc façon interrogatoire, la lampe dans le figure, le truc derrière, ok. Ok. Je vois le principe.
Hop. 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 Allez, on s'en fout de l'inquisition. Hop. Cochonnier, bannière des clans, tambour de guerre. On va améliorer le cochonnier. Rien que le mot cochonnier, quoi. Ça, on peut rien en faire. Non, bah voilà. Allez, on va magiquement enlever le gluten. Qu'est-ce qu'on me dit? Topinambour. Edith Topinambour. Attends, on va mettre en pause une seconde. Berger, change forme, jardinier, défenseur du village, mage de village. Carte locale. Ce cimetière du coin, on peut faire quoi? Ah, c'est avec le seigneur du mal, enfin bon, ok. Ok. C'est ce que je pensais, en fait. Ensuite, on a quoi? Taverne de la guilde, on peut pas. Théâtre, on peut pas. Des orques. Communication indisponible. Là, c'est pour ça, d'accord. Ah, faut le temps que Cochonou y revienne. D'accord. Là, j'ai plus le symbole du cochon d'Inde en bas. Faut attendre qu'il réapparaisse pour que je puisse de nouveau envoyer un message. C'est compris. Alors, bon, une petite chance de devenir loup-garou, en particulier s'ils sont doués en druidisme. Ok. Allez, on va le mettre là. Cloître des justes, chambre de vérité. Bah, cloître des justes, on l'a pas. Hein. Ah, c'est une grosse salle. Avec Pissenlina. Pissenlina. Alors, un donjon administratif. Non, merci, c'est gentil. Bien sûr, nous allons financer cette expédition. Allez, on finance pour 50. Hop. 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 Ah, cochon d'Inde est de retour. Je mets en pause. J'aurais dû envoyer plus de messages dès le début, en fait, je pense. Ah. Alors, 19, 9, on va mettre là, on va mettre là. Hop.
Bah, fais-le disparaître ton portal. Ils font apparaître des portails et des portails, on sait pas trop pourquoi. Ah, il faut que les certains. En fait, il n'y a pas tous les professeurs qui peuvent. Ok, grimoire. Où est-ce qu'on va mettre le grimoire? Là. Des étudiants. Carte locale, c'est pas ça que je voulais. Acquisition. Hop. Si c'est pas déjà fait, je vous propose instant promo. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis si possible un petit commentaire, ça me fait plaisir. Merci. Alors, N-sapin, faune, dents de loup. Je suis obligé de prendre dents de loup, hein, j'ai pas le choix. C'est obligatoire. Vitrine des trophées, statue héroïque ou lumineux réfectoire. Bien mieux que le sombre réfectoire, réfectoire des étudiants. Hop! Les personnes actives dans la même pièce, salle des arcanes, appartement privé. On va prendre les appartements privés. On n'en a pas du tout. Bon, on va le mettre là. Ah. Hop. On va faire le roi, tiens. Hop. Tellement bien le réfectoire machin que personne n'y va. Ah, il y en a qui ont eu leur... leur bestiole sur le dos, là, tac. Leur familier. C'est pas que juste les cartes, hein, ça implique qu'il y a l'impact physique. Hein. C'est cool. Bon, si nous n'avons pas à tenir le rythme, la correction des copies nous prend un temps considérable. La compétence notoire de nos élèves ne facilite pas les choses. Les listes sont de qualité médiocre, ok. On est une machine à café, d'accord. Et ben, on va la mettre là. Des étudiants. C'est bien, ça n'arrête pas d'arriver. Change forme. Hop, on peut le faire en automatique, ça c'est bien. Camp des orques, oui. On va juste leur rappeler qu'on est copains. C'est on en a deux. On peut faire. Les tribales. Attends, on va mettre en pause. Là, il y en a trop. Non, il n'y en a plus. Bon. Les tribales.
Râtelier d'armes, salle des trophées, bon, salle des trophées. Hein. Hop. Salle d'alchimie. On n'a pas du tout de truc d'alchimie, bon mec. On a mauvaise ou médiocre. Qu'est-ce qu'est le pire? Médiocre, c'est moins bon, moins mauvais, non? C'est beau. Ah, il y a encore une tornade ou je sais pas quoi là qui est mise en lancée tout à l'heure. Ils arrêtent pas de faire des bêtises, ces étudiants, c'est pas possible. Red Orc. Nous étions en paix. Alors on va se faire attaquer par des orcs maintenant. Ils sont où? Ah, ils sont là. Ah ben, ils ont repoussé. Ça n'a pas été trop compliqué. Les cornes peaux, des cornes de machin, bon, on va faire ça. Licorne en peau. Je connais pas cette plante là. Deck de l'ombre. Fournir un concierge, le concierge nettoie les murs vandalisés par les étudiants, ok. Plutôt pas mal. On va mettre là. Moumoun, allez, un deuxième Moumoun, c'est parti. Vous avez validé un autre objectif, une référence dans la magie de la nature, génial. Ah, on a une étoile, d'accord. Chevaucheur de dragon. On a faim. Rien à proposer. Hop, carte locale. On va aller voir l'Inquisition. Je ne souhaite que m'améliorer. Niveau ménage, il y a des trucs à faire. Hein. Parce que le tag pisse, là il y a le tag là. On se fait vandaliser l'école. Alors ensuite, fenêtre sur un monde, magie des portails, un animal errant, Milley. On va faire la bestiole, rigolo. Hop là. Serpent volant, j'adore. Corne de Milel. Ah. Plante mangeuse des radis ou un terrarium. Et bah la plante, non? Un dragon blanc. Ou les médicaliser, je sais pas trop. On va faire le lit médicalisé, allez hop. Hop. Alors, hop, hop. Archidruide, dresseur de licorne, enfant de cœur, quart de chasse. Ben, on n'avait pas un objectif, fallait faire un archiduide. Ah non, un archimage. Ah mais je sais pas moi. Archimage. Comment on fait un archimage? Des demi-orques ou atelier des potions. On va faire des demi-orques. Allez hop. Hop, hop, hop. Oui.
Hop. On va dire qu'on on essaie d'améliorer les relations avec l'Inquisition, et puis voilà. On a des trucs bizarres, hein, je sais pas. Ah, un troisième. Ça nous a fait une pierre philosophale. Gagné 300 en or, bah je veux bien. Ah mais on peut le refaire du coup. Chat de sorcière. Hop. Alors, un dragon vert, on l'a, le cochonnier et la serme. On va améliorer le dragon vert. Il est où? Je l'avais pas mis là. Ah, visiblement, on peut pas améliorer les petits trucs comme ça, donc on va le mettre là. Salle de la nature, orion magique, ou dortoir. On va le mettre là. Hop là. Allez, des épaulières lumineuses. Hop, des nouveaux étudiants. On en a 17. Il n'y a pas assez de place, je pense, dans les dortoirs. Il va falloir faire quelque chose. Non. Je sais pas. Allons voir. Allez, on va faire le roi. Une nouvelle maison. Foyer des élèves. Salle de la lumière. On va faire salle de la lumière. Hop. On peut en refaire un. Alors, nous allons... Les élèves des autres maisons tirent nos enfants vers le bas. Il faut les séparer, chacun à sa place. Soit on a des points de prestige, soit on a des pioches, salle commune. Bon, on va faire salle commune. On met en pause parce que là, c'est le bordel. Garde, esprit protecteur, mage de vie des justicières, change forme, de rituel garde chasse, blablabla. Bla bla. Ok, un de spécial. Salle commune. Et salle commune. Alors. Corne du roi Sylvestre. Hop. Et on est quasiment au bout, on va bientôt se faire attaquer. Là. J'ai pas envie. Est-ce que je peux dire non? On va faire ça, infirmerie. On est bien avec les villageois alors. Salle des profs, bannière, salle des arcanes, je m'en fous un peu. On peut essayer, remarque. Allez hop, salle des arcanes. Et on va faire une petite planche là, hop, dans la serre. Vous achetez une bestiole, un faune. Hop. Où il est passé? Il calme les gens.
Attends, nouveaux étudiants. Faudra un bouton assigné automatiquement. De toute façon, ils arrivent, ils n'ont pas de talent particulier. Râtelier d'armes, c'est peut-être pas mal ça, non? Hop. Ah, il y en a qui ont les cornes sylvestres, là, hop. Et le faune, il est là. C'est pas là, tranquille. Oh, Murchu, un Murchu. Hop. Lit de repentance. comment te dire? Lumineux machin, on en a. Chambre de vérité, on va faire un lit de repentance. Tiens. Paye ton lit, quoi. Aïe, aïe, aïe. Atelier bricolage. Des activités manuelles. Allez, hop. Faire des potions, je sais pas quoi. Bah le rang de sapin du coup. Il bouge. Ah oui, il est là. J'adore. Ce mignon. Hop, 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 rata hop. Change forme, défenseur. On va faire revenir automatique. Là, on va parler à eux. Pousse. Vitrail sacré. On a un dragon turquoise aussi, on va le mettre là. Vitrail sacré, on va le mettre là. Réduit les frais d'entretien de toute l'école. Oh, c'est génial ça. Qu'on peut le mettre. Là. Salle de l'ombre, arme et bouclier. Ma arme et bouclier. Hop, voilà. Donc on fait une tornade là. Je sais pas d'où vont venir les démons là, les morts vivants. De quel côté ils vont arriver? On va améliorer les dolmens. Le dolmen. Hop. On va se faire un peu de sous. C'est comme ça que j'ai pas mis. Hop. J'ai pas lu, mais l'autre, à mon avis, elle avait peur. On va se faire détruire, quoi. Bureau d'orientation. Un choix d'avenir supplémentaire. On va faire bureau d'orientation, allez hop. On va faire la partie complète. Hein. Je sais pas s'ils ont prévu de mettre un scénario complet ou si ça reste un bac à sable comme ça.
Hop. Ce serait bien un petit sénat en plus, un appareil à raclette, un totem. Hop, le totem, on va le mettre ici. L'appareil à raclette, on va le mettre ici. Les appareils à raclette, il me semble que c'est ce qui est nécessaire pour nourrir les orques quand ils demandent à manger ou un truc comme ça. Hop, demandons au roi. Ils vont pas tarder à arriver. Allez, on va faire une prison. Concernant d'orientation, c'est un voyant. Une voyante. Alors, remise de diplôme express. On veut nos diplômes avant de partir. On n'a pas travaillé pour rien quand même. Tous étudiants restants terminent immédiatement leur cursus. Vous pouvez automatiser le calcul. Ok. Avenir automatique. Ah. Ils sont tous en train de courir. Ils tombent des trucs du ciel. Gain d'un grimoire commun débloqué. Il s'enfuit, tombe des trucs. Ouais. Finir la partie. C'était le village. Ah oui, on débloque de nouveaux endroits, d'accord. Donc si je prends la forêt, par exemple. Un grimoire niveau 1. La pureté, les bêtes magiques ou les punitions, les bêtes magiques, non ? D'accord, diminue de faire l'envie de faire des bêtises. Réputation avec l'inquisition se dégrade moins vite et recevez 4 de prestige. Malédiction. Vos étudiants ont déjà envie de faire des bêtises. Plus pauvres que d'habitude et... 3 ennemis supplémentaires. Les relations avec les factions se gagnent. Surtout pas. On va faire plus pauvre. Les vastes forêts du royaume sont extraterrestres, machin, arbres millénaires, habitants des bois, plus pauvres que d'habitude, plus de chances que ce soit des loups-garous. Alors, la garde établie faune. Voilà. C'est bon, je peux sauvegarder, il m'a sauvegardé. Eh bien, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. On va passer sur d'autres jeux. Et je vous dis à bientôt. Si vous voulez qu'on refasse des parties de ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà. Je vous dis à bientôt, tchou les loulous, c'était le Chapelier Loup.